Bonjour, internotatrice et internotateur, ici Gaëlden pour les Jeux du Cygne. On poursuit notre découverte de Sunwalker. Cette fois-ci, je ne suis plus en live. Je suis juste en solo tranquille. Donc, on est reparti, on est avec la 17e caravane. On était arrivé quasiment jusqu'au bout la fois précédente. Alors, si je ne me trompe pas, il y a eu un patch entre mon live d'hier, puisque mon dernier live était hier soir, enfin hier après-midi, et ce matin. Donc, il me semble que là, voilà, je suis en version 1.0.1. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que hier j'étais sur une autre version. Oui, donc je viens de vérifier et je vous confirme que. C'est bien une autre version, donc il y a peut-être un certain nombre de bugs qu'on a pu constater hier qui ne seront plus d'actualité. Voilà, je rappelle que le jeu est en accès anticipé, donc loin d'être parfait nécessairement. Voilà. Donc on va avancer. Là, il me faut du macérat, j'en ai pas beaucoup. Donc je vais faire comme ce que j'ai fait lors de la partie précédente. Je vais commencer par les pexer un peu aux alentours. Ah, alors là déjà on a les choses nouvelles, c'est qu'on a des consommables qu'on va pouvoir utiliser. Alors. Mais non, je vais pas commencer en bouffant du consommable. Ah zut, j'ai pas réorganisé mes jambes. Ça commence mal. Merde. D'accord, donc les consommables, je les retrouve là. Lui, il cible celui-ci. Très bien. Bon, là, c'est très mal fichu ce que j'ai fait. Là, lui, je peux le stun. Eh ben, je vais le faire. Là, je vais faire de l'attaque de zone. Ici, on va l'empêcher d'agir. Et là, même chose. Ah non, pas tout à fait. Mais lui va pouvoir l'en empêcher. 22, je le tue direct dans un cas comme dans l'autre. Ah, j'avais même pas fait gaffe que lui il m'attaquait, tiens. Mais c'est logique puisque j'avais déjà stun. Là, il ne sert vraiment pas grand-chose, lui. Ah tiens, c'est marrant, là ça n'a pas changé sa place. Hop. Et on le termine. Voilà, 0 points de dégâts pris, du poisson, une grenade, 10 points de dégâts à tous les ennemis, sympathique, et un bracelet. On ne va pas s'en plaindre. Alors, est-ce que... On va partir par là. Hop. Ici, un petit event. Éclaireur canique. Je pourrais leur offrir un repas ou commercer. J'ai pas grand-chose. Est-ce que... Allez, je vais être généreux. Et je trouve que le 25, c'est vraiment n'importe quoi. Ceci dit, là, j'ai... Pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup de bouffe à proximité. J'ai un level up à faire. Alors, il faut que je réorganise mes jambes. Changer la position.
Toi, tu passes devant. Qu'est-ce que vous avez comme compétence? Je sais plus. 100% de dégâts pour supplémentaire. Régène. J'ai plein de gens qui ont 100% de vie, inflige plus de dégâts, ce qui est pas génial. Comme d'hab, je vais d'abord faire lui un level up pour qu'il chope levée de bouclier. Et puis j'ai pas beaucoup de macéras. Là c'est 12, là c'est 12. Choper deux macéras et bah go. Un crochet. Hop. Une glacée utilisant la pyromancie. Hop. Un crochet. Encore une fois, je n'ai pas la moindre idée de ce que représentent ces lueurs bleues là. Alors, clairement, je ne vais pas utiliser de bombes ici. Saligo. Toi, t'attaques sur qui? Ah non, c'est ça. T'attaques lui. Saleté de poison. Ah zut, j'ai pas tué. Alors, ça fera l'affaire. Et on finit. Un peu de dégâts ici, mais on fera avec. Qu'est-ce que tu vas me donner toi comme développeur? Exalté, c'en a eu, c'était pas mal. Ça, je suis pas fan. Réduit le bouclier à 0. Ah oui, mais c'est des 2. C'est dangereux ça. Bon, exalté. Hop. Et là, si je me trompe pas, oui, si j'utilise du macérat. Voir. Réaugmenter. Là, je peux chasser ici. Allez, on va partir un peu au nord. On va aller chasser de la fourmi. J'explore, essayer d'aller trouver les... Appliquer aveuglement à tous les ennemis. Waouh, balèze ça. Ah oui, ils sont niveau 4. Ouh. Ça se fait quoi? Un ennemi. C'est carrément balèze, dis donc. Alors, comment ça fonctionne? Je fais un clic gauche. Oui. Ouais. Ah, ok, c'est les trois que je peux sélectionner.
D'accord. Bon, je vais prendre cher. Lui, il va se... Il va m'attaquer. Putain, il fait 42 dégâts. 61 dégâts. Oh, putain. Ça, j'imagine que ça remplace mon attaque. Oh, comme ils sont vénères. Lui, il attaque qui? Mon gars du vent. Et aussi mon gars du vent, donc ça veut dire qu'ils vont le tuer. Donc il faut que je booste son bouclier. Mais ça sera pas suffisant. Ok. Arrgh. Bon bah le renard a été rapide. Il s'attaque à lui. Il s'attaque à lui. Et il va quasiment me tuer. C'est formidable. Bon bon bon. Il a une faiblesse au vent, mais alors c'est pas ses 33. Bon. Ah, j'avais oublié de m'attaquer moi. Ingérable. Ingérable. Là il me le tue, là il me le tue, et là il me le tue. Donc j'en ai qu'un qui peut attaquer en fait. Le problème c'est que le tank il va pas tenir des heures. 3 PV. Même pas mal. Là il y a une résistance de gueudin. J'en ai stun 1, ouais. Stun 2, ouais. Et j'en ai un mort. Et j'en aurai bientôt deux morts. Et voilà, c'est fait. Bon, et ben ça aurait été rapide. Le signe nous disait que... Notre unique déesse se nommait Douleur. Ah oui, je gagne 40. Ah ben d'ailleurs. Hop, nouvelle caravane. Bon. C'est rapide. Des fois, tu comprends vraiment pas ce qui t'arrive sur la tronche, quoi. Bon, on va améliorer notre réputation chez les Mouka. Ou alors démarrer avec 20 points d'expérience, ça me permet de faire 2 level up cash. Why not? On va se tenter ça. Et les autres, ça requiert 15, que je n'ai pas.
Hop. Alors, bon, j'ai quand même l'essayer celui-ci. Faut pas mourir bête. 50% de dégâts supplémentaires à l'arrière-garde, c'est pas mal. Ensuite, bouclier régénérant, pourquoi pas. Hop. J'aime bien son épine, lui. Ça me fait un tank. Ouais, exalté, lui c'est plutôt un perso de soutien. On va le prendre lui. 30% de vivre au maximum, ça c'est cool. Allez, on va prendre deux. On va level up, même si ça fait pas tout. Le tank avec salvé de bouclier. Et puis lui, on va voir ce qu'il peut proposer comme level up. Lancer de couteau qui inflige saignement si la cible n'a pas de bouclier. À deux cibles différentes. Volée d'acier, les dégâts subis par saignement sont accrus de 100%. Mais ça fait. Alors, si, ça fait des dégâts aux 4, potentiellement. Et si la cible a l'effet de saignement, ça inflige 10 de dégâts supplémentaires. Sachant que sa compétence de base inflige saignement, ça peut faire un combo plutôt sympathique. C'est du mono-cible, en même temps, c'est un assassin. Allez, on va tenter ça comme ça. Bien. Qu'est-ce que tu me proposes ici? Toujours le même. Augmentation de la réputation auprès de toutes les tribus de 1. Les apages, j'ai jamais vu de l'utilisation. Intéressante. 30-30. Allez. Diplomaton. Ah, pèlerinage. Des pèlerins voulaient que nous. Ah oui, c'est le truc que j'avais débloqué, j'avais pas fait gaffe. Des pèlerins voudraient que nous portions leur offrande à un hôtel. Nous rencontrâmes un groupe de pèlerins à la mine basse. Ils avaient la réputation d'être d'un abord facile. Aussi, nous leur demandâmes ce qui valait tant de morosité. Ils renonçaient à compléter leur pèlerinage. Le fiti devenait trop dangereux et ils étaient à bout de force. L'offrande leur restait donc sur les bras. L'un d'entre nous suggéra que nous chargions de la porter à leur place. Eh ben, allons-y. Certains trouvèrent la proposition curieusement opportune et peu orthodoxe, mais ce fut l'argument de l'humilité qui convainquit les plus réticents. Devait-on par fierté priver les esprits de ce qui leur revenait, ils nous confièrent donc leur offrande. Ok, donc c'est ça les fameux, la fameuse demande de service. Alors, on va effectivement. Ok. Alors, où est-ce que ça se fait du coup ça? Hop. Je ne sais pas. Dépendant de récompense. Amélioration chez l'MK et augmentation de l'espoir. Bien. Et ben, go. Je sais pas jusqu'où ça va nous amener, mais
Hop, on change les positions. On se met comme ça. Ah, l'avantage, c'est qu'il a une très grande vitesse. Et donc, typiquement, contre ces saloperies-là. Saignement 2. Ah ouais, ça fait du dégât quand même. 36 de physique. Ah ouais, je le one-shot. Untuju. Ok, c'est donc hyper squishy. Mais quand ça tape, ça fait mal. Ok. Lui, je vais le stun. C'est très bien aussi. Level up du coup. Bon, note pour plus tard, ne pas aller dans le désert du nord, enfin, dans les terres arides du nord. Toi, je vais te level up. Parabande du soleil, oui, je garde. Tac. Ici, acide météorique. Hop. Alors, a priori, ça m'indique plutôt cette direction-là. Là, ça me permet. Non. Ça me fait juste dépenser du macérat. Là, j'ai pas de crochet, donc je vais éviter pour l'instant. L'indication est quand même très approximative. J'ai pas la moindre idée de là où je peux rendre le service. Chasser la larve. Continuer par là. Hop. Plus d'étapes filantes. On peut improviser une chanson. Ce qui donnerait une nécrophobe potentiellement. Ou améliorer notre réputation auprès des caniques. Sachant qu'on a déjà un. Bon allez. Ne leur prétend que les astronomes MK affirmaient qu'il ne s'agissait pas d'étoiles, mais de morceaux de pierre et de métal d'autres mondes, et que le ciel ne changerait pas. Nos explications ne parurent pas les convaincre. Dommage. Je suis juste découragé du coup. Nuit glacée, j'ai pas de pyromancien cette fois-ci. Par contre, j'ai de la bouffe, donc je vais en profiter. Ce qui est une erreur, hein, parce qu'on sait très bien que la bouffe, ça n'est pas éternel là. Ça va, mais allez, on va essayer de se diriger vers notre service à rendre. Un petit lézard. Euh...
Est-ce que je vais chercher l'autre lézard? Ça me coûte 22, ça me rapporte 12. Et là, ça me coûte 14. Ah, par contre, l'assassin, il n'a pas de compétences actives. Ça, c'est un peu naze, par contre, je trouve. Ouais, j'ai du... J'ai des dunes, j'aime pas ça. Hop. On va aller virer les dunes. Embuscade, on dirait bien. Ça fait quoi? Inflige 12 de dégâts à un ennemi. Si la cible a du bouclier, les dégâts sont accrus de 100%. Ok. Bon. Là, on sait. Ah, c'est possible, je le one-shot pas. Comment ça se fait? Je sais pas. Importe, c'est que je le stun. Lui, il me fait résistance 25, résistance 25. Donc ils vont m'endommager les deux boucliers, c'est tout. Donc on va pouvoir de toute façon stun 1. Lequel est le plus fragile, c'est lui. Et accessoirement, ça me permet de les enchaîner comme ça. Hop. Ah, le saignement qui le tue. Très bien. Ça me va bien. Ça tient presque du puzzle game en fait. Hein. C'est quand on a compris l'enchaînement, là ça se fait sans problème. Onde de sable ou bourrasque. L'onde de sable typiquement elle a vraiment aucun intérêt. Parce que le fait d'inverser, ça peut servir. Ça fait un dégât de moins, mais ça fait que les 4, quoi. Alors que là, ça en fait que 2. Alors peut-être que ensuite, ça se joue au niveau des upgrades du niveau 3. Mais bon. On va passer par la ruine ancienne. Mais. On ne peut toujours pas en faire grand-chose. Lire les écritures. Hop. Ouais, ça fait augmenter l'espoir quand même. Hop. On va aller chercher ça. Pluie d'étoiles filantes, une nuit nous assiste à m'inspecter encore. Ah, c'est possible par contre. Je peux suivre l'étoile la plus proche. Ah, et là par contre, c'est 100% de réussite par rapport à l'événement précédent. L'improvisation de chanson sans façon. Par contre, bon, la gemme de l'espace, des fois que j'ai trouvé une ville. Petit cristalliseur. Petit cristal cristalliseur, donc catalyseur, bon, je sais pas lire. Ouais, ça me dit toujours pas. Je pourrais quand même me dire où c'est censé être. Hein. Là, ça m'oblige à passer par une dune et ça me fait revenir en arrière. Aucun. Ah, surcharge.
Surcharge, ça rapporte 12, 10. Moi, je pourrais consommer de ma bouffe, surtout. Hop. Plus de bouffe. Je l'ai consommé le reste. Je l'ai déjà consommé le reste. Bon, je suis pas sûr d'aller chercher le petit cristal qui est catalyseur. Ça me rapporte que 1. Comment ça se fait? C'est naze. Je commence à perdre de la vie, ça y est. Une petite embuscade de nouveau. Ah, par des fourmis cette fois-ci. Enfin, une fourmi et une sorte de hyène. 40 de dégâts, c'est fatigué. 50% de résistance. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'attaque. Aïe. Elle attaque lui. Sauf que là, je lui fais pas les mêmes dégâts. Lui, il m'attaque celui-ci. Ça va lui coller saignement, mais il aura encore pas mal de boucliers, donc c'est pas très très grave. Donc on va le pourrir lui. Histoire qu'il puisse pas attaquer mon assassin. Résistance 100% ici. Okay. Faut pas leur faire des dégâts. Hop. Ouais. Ah zut, j'aurais pu faire mon attaque critique. Hop. J'ai pas regardé ce que ça me donnait comme loot. Rien d'intéressant. Dommage. Bon, là, je prends cher. De toute façon, j'ai pas bien le choix. Sais pas pourquoi les opons donnent aussi peu. Là. Ah, j'ai pas le niveau 5 encore. Je peux encore choper un diplomate. Bah, je pense que ça doit pas être cumulable. On va voir. Est-ce que c'est cumulable? Oui, c'est ça, c'est pas cumulable. Par contre, c'est bizarre que ça ressemble à un bug aussi. Je peux recruter, mais j'ai pas intérêt à le faire. Ils sont tous relativement en forme. Je peux me reposer. Ah oui, ça l'est. Maintenant, quand même, ça c'est cool. C'est peut-être lié à la réputation. Peut-être que plus la réputation est élevée. Plus ça les fait level up. Par contre, j'ai pas de mini-quête là. Ah, c'est sans doute que j'ai pas terminé celle qui était active. C'est où l'hôtel à la con là? J'aimerais savoir. Et je peux pas commercer, tiens.
Je peux pas commercer ici? Mais si, marché. Suis-je bête? Donc, on va échanger. On va lui donner. On a plein de trucs à donner. Ça, on va potentiellement garder. Lui, il a des potions à donner. Il a du macérat. Et ensuite, on discute pour d'autres choses. Défense, agilité, résistance physique. Constitution, défense, intelligence, volonté. Voilà, ça fait tout ça. Ok. 50% de volonté, dégâts de terre aux ennemis en première ligne. 80% de volonté, dégâts de vent, un ennemi en seconde ligne. Ouais. Ni l'un ni l'autre ne me font vraiment rêver. Alors là, le presque souci, c'est que. Alors l'intelligence, si mon éléphant il s'en sert. Protecteur. Défense constitution, il s'en servira aussi. La volonté, je crois que c'est l'aéromancien qui s'en sert. Il est aussi en première ligne. Bon, c'est pas forcément déconnant. J'ai des sous, autant s'en servir. Défense, agilité, résistance physique, on va aussi s'en servir, hein, tant qu'à faire. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre? Plutôt une pioche, plutôt une corde. Pour l'instant, j'ai plus vu des trucs avec des pioches. Donner un petit appât en plus. Et on est bon. Allez, on est parti là-dessus. Hop. J'aimerais bien avoir 5 pour savoir ce qui se passe ici. Alors. Donc, on a plein de potions, plein de macérats et deux armures. Lui, je crois que c'est bien de la volonté. Ah non, merde, c'est de l'intelligence aussi. J'ai personne qui est spécialisé en volonté. Dommage. Donc, bon, ceci dit, tout le reste est utile. Qui est-ce qui vaut mieux que je le donne? Plutôt à l'aéromancien quand même. Hop, et ça, défense, agilité. Lui, c'est quoi qu'il utilise? C'est l'agilité. Défense, agilité, résistance physique. Ça le peut être parce que là, ça n'a pas. Ouais. Je vais le mettre plutôt à lui. Comme ça le donnera un tout petit peu plus de capacité de résistance aux dégâts. Une colle ensevelie qui me donnerait des tessons. Là, du macérat. Donc on va essayer de continuer à suivre cette flèche. Hein. Je vais essayer de passer par là. Ouais, tôt ou tard, il y a un moment où il faut grimper. Hein. Le fait de grimper, ça coûte tellement cher. Ah non, là c'est. Ça c'est marrant quand même. Pourtant ça a vraiment l'air à la même hauteur mais. Hop. Macérons. Hop. Veillée. Une histoire racontée autour du feu, les récits des caravanes du passé, gna gna, on l'a déjà eu, c'est un event de merde. Est-ce qu'il a chopé j'ai même pas regardé qui le chopait. Non, j'ai pas chopé les 50% de chance. Mais je ne l'ai pas eu, tant mieux. Là, ça vaut pas le coup. Bon, bah, va falloir s'enfoncer de toute façon. Je vais moyenner mon choix. Ouais, si on va tenter d'aller par là quand même.
Mais on prend cher. Alors là-bas il y a des méchants vilains, pas beau. Hop. Là il y a un event de Macera, je prends. Ah là il y a un observatoire. C'est intéressant aussi les observatoires. Là qu'est-ce qu'il faut? Termitière. Ah avec une pioche on récupère de la bouffe. Intéressant. Une cage d'armes. Allez! 30% de santé. Youpi! Je trouve ça nul qu'on soit obligé de la prendre. Plus 3 d'agilité, plus 2 de défense, 25. Bah, l'agilité, dans ce cas-là, c'est pour toi. Hop. Plus de dégâts, c'est toujours bon à prendre. Et toi, tu vas prendre plus de def et résistance physique. Est-ce que c'est les fragments, ça? Je me demande si ça peut être ça ou pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que c'est. Alors là, le problème, c'est que quand même, c'est haut. Ah, il y a une ville ici. Allons chercher la ville. Le cauchemar, super. On le laisse passer. Là, on va piocher les termites. C'est bon, les termites. Miam, miam. Alors, je suis respecté chez les caniques, je peux donc recruter chez eux. Ah! Un perso que j'ai jamais eu encore. Ça m'a l'air d'être un bon gros tank. Il a beaucoup de PV. Qu'est-ce qu'il a? Enlève tous les effets de malus. Pourquoi pas? Et donne du bouclier. Et là, brûlure chimique. 50% de chance cible facile. C'est spécial comme. Et ça fait quoi? Révèle 4 éléments dissimulés dans le brouillard. Oui. Bon. Dans l'immédiat, je suis pas intéressé. Réputation acquise. Demande de service. Ah. Un voyageur demandant notre escorte. Avec petit souci encore ici. Un individu nous aborda alors que nous achevions de contrôler le harnachement et souhaitait se joindre à nous afin de bénéficier de notre escorte et débarquer plus loin à l'est, Silarga, qui ferait plus que sa part, en plus du paiement qu'il nous verserait une fois à destination. Eh ben, go! J'espère que ça annule pas le précédent, c'est tout. Je peux pioncer, je le fais. J'aurais dû utiliser mes compétences actives avant, c'est un peu dommage. Plus de popos, toujours. J'ai pas grand-chose à te donner en échange, mais ouais, j'ai vraiment pas grand-chose. Si avec un appât, ça passe. Un de Macera aussi, ça coûte 15. Ça plus 2 d'agilité plus 4 d'agilité ça coûte 40 c'est déjà ce qu'il faut. Ok, donc je suis allé marcher, j'ai vu ce qu'il y avait recruté, j'ai fait le don de cerveau. Très bien. Bon, c'est un observatoire ça, terre aride, pèlerinage. Et escorte. Jusqu'où il veut aller? Le gars, il nous dit qu'il veut aller à l'est, mais il nous dit pas où. C'est cool. Il y a un souterrain ici. Espoir. C'est gentil de donner de l'espoir, mais ça coûte, il coûte cher ton espoir. Hop. Puis on va
va attaquer les vilains pirates. Hein. À l'assaut! Alors, lui, on sait qu'il est à défense chancelante. Ça fait quoi ça? Les dégâts subis par le bouclier lors de la prochaine attaque encaissée sont augmentés de 100%. Ah. Il ne fait sur qui? Sur lui. Ok. Lui, il va coller brûlure à l'arrière. Lui, il va défendre. Et lui, il va attaquer mon tank. Donc. C'est lui que je veux bloquer en premier. En plus, il n'a pas... Hop, je vais littéralement défoncer la tronche. Et ça, ça va le tuer. Il sera tué par le poison. Formidable. Là. Hop, il a une petite faiblesse pour ça. Il pourra quand même coller sa défense. Sa défense chancelante. C'est bien, mais ça va pas être très efficace. Bim. Bon, je retire tout ce que j'ai pu dire lors des épisodes précédents sur l'assassin. Il déboîte des culs. Très sincèrement. Alors, lui, il faut que je le bloque. Et ça va pas être très difficile. Allez, bim. Il y a 10 PV. Une petite lame de vent comme ça là et c'est fait. Hop, puis je le stun. Ouais, je le stun. Et lui, je vais aussi le stun. Pas tout de suite. Une petite bourrasque. Zim zam zoom. Et hop. Masque d'os. Plus 1 de force. Plus 25 de résistance physique. Et 2 crochets. Bah écoute, je suis preneur. Bien, mais je vais arrêter cet épisode après ce combat. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre des petits pouces. Je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.